Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique New Craft Day. Alors, d'abord, la fiche. Oh, et t'as vu? T'as mis ton cucu? On peut pas mettre son cucu à l'écran. Je pense que je vous aurais mis un smiley. Ah, celle-là. Alors, d'abord, Black Friday, on s'en fiche. je vous dis tout de suite ce que vous avez droit. Je vous remettrai tout en barre d'infos si vous voulez avoir tout le détail. Alors, d'abord, un code de réduction de 12%, voilà, 12% de réduction immédiate lors de la commande avec le code de réduction 23 Black Friday 12. La période de validité, c'est 11 novembre jusqu'au 30 novembre, donc vous avez encore le temps de vous servir de ce code de promo. Il y a 200 codes promo, 200 promotions. Limité à une seule utilisation par personne. Donc, dépêchez-vous de vous en servir, voilà. Parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, il y a également des remises instantanées pour un achat. Alors, vous avez 2 $ de rabais pour un achat de 29 $, 7 $ pour 69 $, 10 $ pour 99 $, et 16 $ pour 149 $. Également, c'est valable du 11 novembre au 30 novembre. Voilà. Les offres que je viens de vous donner peuvent être utilisées en même temps. Elles sont cumulables. Et vous avez également, alors celui-là, vous avez un code de réduction qui fonctionne tout le temps, toute l'année, là, par contre. Ça vous donne 10% sur votre commande et c'est le code DIDIT10. Donc, pareil, je vous l'ai remis à l'écran. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi de beau chez New Craft Day? Eh bien, j'ai choisi du DP et du Diamond Painting. Et j'ai choisi un petit accessoire broderie. Enfin, je pensais que ça allait être broderie, mais pas broderie, je vais vous montrer, et 2 kits de broderie. Alors, la boutique New Craft Day m'a demandé également de choisir le DIY. Je vais vous montrer. Bon, le carton a pris un peu cher, mais c'est pas grave. Fifi, s'il te plaît, descends. Hop, 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 hop. Oh, oh là 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 là. Mif, fou folle. Bon, c'est rien, elle s'est pas fait mal, elle ne m'a pas fait mal et elle a rien cassé, c'est principal. Oui, donc vous allez reconnaître, hein. Mais bon, là le carton il a pris un petit peu cher, mais c'est pas grave. Alors, la boutique m'a demandé de choisir un sapin. C'est le dernier, hein. Voilà, un sapin, donc j'ai choisi encore un différent. Alors, par contre, attendez, je vérifie juste un truc. Pourquoi j'ai coupé mes ongles? Bah, parce que j'en avais un de cassé, mais maintenant, je suis embêtée. Ah non, non, non. Je croyais que la plaque était cassée, mais non, c'est un trait dans le... C'est un trait du dessin. Voilà. Je vous jure. On ne sait jamais, hein, par la poste, les transporteurs. Alors, il y a le petit pied que je vais mettre. Hop. Voilà. Le petit pied comme ça. C'est du plexi, hein, c'est du plastique.
Donc il est, c'est la même grandeur que les autres hein, que j'avais déjà, à part que là c'est encore un autre motif. On va se mettre face table, comme ça je vais vous montrer en détail les strass. Alors comme d'habitude on a le petit toolkit hein, et on a les strass que j'ai carrément oublié de déballer, mais c'est pas grave. Bon, faites pas attention, du coup c'est le boxon sur ma table. Voilà. Allez, je vous fais découvrir les strass. Donc, on va en avoir des gros rouges comme ça, des gouttes d'eau et holographiques. Elles sont super belles. Là, des jaunes, des yeux de chat jaunes, des demi-strass roses, des petits bleus, un autre bleu, du vert, du rouge, du jaune, du rouge et du comme ça. Je cherche le nom de la couleur. Voilà. Alors, ce sapin est au prix de 9. Alors là, j'ai les prix en, oui, en dollars. 9,99 $. Alors, l'accessoire, voilà. C'est un tube comme ceci. Alors, je vais l'ouvrir. Hop. Et vous avez dedans des aiguilles. Et vous allez voir du coup que c'est pas. Alors, je vais les poser. Vous voyez. Ce n'est pas des aiguilles à broder. Hein. Vous voyez, ce sont des grosses aiguilles. Sur le coup, je pensais que c'était des aiguilles à broder, mais non. Alors, il y a plusieurs tailles. Alors, ça peut servir si vous faites du canevas. Si vous faites du canevas, ça peut servir. Vous voyez, je vous montre. Alors, la plus grande, c'est celle-ci. Non, c'est celle-ci, je crois. Bah, c'est la même. Voilà. Alors, je crois que là, j'ai la plus petite et là, j'ai la plus grande. Voilà. Donc, celle-là, ben, moi, je vais m'en servir pour le tricot. Hein, quand je fais mes coutures de tricot, voilà. Donc, c'est plus des aiguilles à tricot, à canevas. Bon, les très grandes, non. Hein, mais les plus petites, oui, pour le canevas, ça peut aller. Mais bon, c'est rien, elles vont me servir. Hein. C'est pas du tout perdu. Hein. Voilà, donc elles sont pas piquantes hein, au bout, vous voyez, c'est pointu. C'est pas pointu, je veux dire, c'est rond. Alors, est-ce que voilà, vous voyez, et le chat, voilà. Donc voilà, alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une quinzaine. Il y en a une quinzaine. Donc elles sont dans un tube. Et ces aiguilles, elles vont être au prix de 2,03 $. Voilà, hop, hop, j'en mets la moitié par terre. Voilà, hop. Et voilà. Donc, dans un petit tube qui se referme en se vissant, du coup, c'est pratique. Alors, le DP, on a bien sûr, comme d'habitude, un petit toolkit. Et on va avoir des perles rondes. Voilà, je vais vous montrer la couleur, les couleurs.
Là. Beaucoup de noir, hein. Et voilà, donc ça ce sont les perles. Alors, je vais juste le replier pour que ça prend moins de place. Voilà. Hop. Et on va avoir donc un DP en taille 30-40 perles rondes. Donc, je vous ai montré 22 couleurs. Et on a... Oh, pardon, je ne vous ai pas dézoomé. Voilà. Une jolie indienne. Voilà. Donc... Niveau impression, bah écoutez, c'est nickel. Hein. Niveau colle, il y a ce qu'il faut. Hop. Voilà. Et elle est très belle. Pas confetti. Non, elle n'est pas confetti. C'est surtout du bloc. C'est rien, c'est Fifi qui fait la folle. Voilà. Donc, voilà. Comme je vous ai dit. Donc, la légende, vous avez des lettres majuscules et des symboles. Voilà. Hé, arrête! Ma boule. Alors, ce kit de broderie. Il est au prix de 5,54 $. Allez, maintenant, on prend les kits de broderie. Voilà. Donc, c'est un petit kit 19 cm sur 19, 14 CT. Voilà. Un petit Bambi avec sa petite écharpe qui parle avec un petit rouge-gorge. Voilà. Donc, c'est du pseudo Joy Sunday. Et voilà ce que l'on va avoir. Donc là, c'est une petite broderie qui va vite à faire. Hein. Hop. Voilà le patron. Donc, Dieu Sandé, hein, c'est toujours très, très clair. Un petit peu de point arrière, mais rien de compliqué. Du point arrière assez simple. Voilà. On a 14 couleurs, voilà, et on a 4 couleurs en point arrière. Voilà, rien de que du simple. On a donc la toile, la voici. Elle est légèrement souple, ça va. Allez. Très bien imprimé, hein, comme d'habitude. On va vérifier ça. Ça va. Donc, il n'y a pas de confetti. Voyez, même ici au niveau de l'écharpe, ça va. Hein, il y a plusieurs couleurs, mais c'est pas confetti. Donc une petite broderie toute mignonne. Un peu sur, c'est un peu le thème de Noël. Vous allez avoir vos deux aiguilles ici. Et vos couleurs de fil. Voilà. Voilà. Donc, c'est les plaquettes que l'on aime bien. Il y a le numéro de la couleur, la référence DMC et le nombre de fils que vous avez besoin pour faire cette broderie.
Donc, vous voyez, c'est marqué 0,5. Je vous le dis à chaque fois, mais vous avez bien un fil complet. Donc, voilà pour la première broderie. Alors, celle-ci, elle est au prix... Au prix de 3,53 $. Voilà, c'est un petit prix pour une petite broderie. Deuxième broderie et dernier article. Trois petits oiseaux sur une petite branche. Donc, oui, donc Three Little Birds. Donc, c'est le 2. Donc, il doit en exister tout au moins un autre. Voilà. La taille, elle fait 34 cm sur 19 et c'est du 14 CT, donc ça se brode en deux fils. Toujours pseudo Joy Sunday. Et on va avoir... Alors, je vais sortir le patron. Voilà. Un patron toujours très lisible. Bon, ça c'est la feuille de garde. On a 21 couleurs. Voilà. Aucun point arrière. Donc que du point de croix. Donc une broderie très facile pour les débutants ou juste pour se changer un peu les idées. Donc, niveau impression, de toute façon, du patron, c'est toujours nickel, hein, voyez. Et on a, hop, une toile. Donc, voilà. Avec les trois petits osios. Voilà, donc, pas de point arrière, rien, c'est du bloc. Aucune difficulté sur cette broderie. Donc, vraiment, la broderie sans prise de tête. Et on a nos couleurs. Avec nos deux aiguilles, ici, dans le petit sachet. Et nos couleurs, alors, je vais les prendre comme ça. J'aime pas beaucoup ces plaquettes-là. Donc, voilà, comme ça. Alors, beaucoup de beige, de rouille, du orange, du jaune, un peu de marron. Des belles couleurs. Voilà, vous voyez. Alors, cette petite broderie, elle est au prix de 3,50 $. Voilà. Bah, écoutez, je suis heureuse de vous avoir présenté des articles de la boutique New Craft Day. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous avez un code promo pour toute l'année, donc DIDIT10. Mais vous avez aussi jusqu'au 30 des promos pour le Black Friday. Donc ça, je vous demande de vous reporter dans la barre d'infos pour récupérer les codes promo. Mais je vous les aurai mis quand même à l'écran entre deux. Voilà. Je remercie beaucoup la boutique New Craft Day. Très heureuse d'avoir présenté des articles de chez eux. Je les remercie également pour tous ces codes promo hein, pour les abonnés. Et moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.